La Fondation africaine pour l'éducation a organisé le samedi 27 mai 2023 la cérémonie de remise des attestations de la deuxième cohorte du programme L'essentiel d'un MBA. Chers participants au programme ESMBA, chers invités, c'est un plaisir pour notre fondation aujourd'hui de procéder à la remise des attestations aux participants de la deuxième cohorte de l'essentiel d'un MBA, un programme d'enseignement pour les cadres dispensé par la prestigieuse école canadienne HEC Montréal, mon école, dont je suis si fière. Ce programme vise également à accélérer le développement de leaders authentiques et stratégiques. Cette cérémonie a marqué la fin d'une formation intensive et a été l'occasion de célébrer les réussites des participants. Vous avez suivi le programme presque entièrement en ligne, avec tous les enjeux de communication, de technologie que cela comporte, tant pour vous que pour les enseignants aussi, ce qui a rendu aussi la formation un peu plus exigeante. Vous avez quitté votre zone de confort avec brio. Vous êtes devenus des ambassadeurs, des leaders de vos organisations, de votre communauté, mais aussi de la société. Comme vous le savez, HEC Montréal offre à travers son enseignement une plateforme pour imaginer, créer et concrétiser les projets qui façonneront la société de demain. Lors de cette cérémonie, Madame Fatima Beyina Moussa, présidente de la Fondation africaine pour l'éducation, a souligné l'importance de cette formation pour le développement des compétences des cadres congolais. Elle s'est également félicitée du succès de cette deuxième cohorte, témoignant de l'efficacité du partenariat entre la Fondation africaine pour l'éducation et HEC Montréal. Cette cérémonie a également été marquée par des moments d'humour et de succès partagé, illustrant la convivialité et l'enthousiasme des participants. Les participants ont démontré leur implication et leur désir de réussite, même au prix de nuit blanche. Depuis son lancement, le programme est accessible même pour des participants résidant en dehors du Congo. Samuel, venu spécialement de Kinshasa en RDC, pour participer en présentiel à cette cérémonie, nous partage son témoignage. HEC Montréal, à travers la Fondation africaine pour l'éducation, m'ont vraiment doté des atouts de leadership. C'est ça ce qui manque à notre continent. Grâce à cette formation, aujourd'hui je suis totalement outillé des atouts majeurs dans la prise des décisions. La formation s'adresse tout aussi bien aux professionnels expérimentés qu'à des jeunes aspirant à des postes de responsabilité, offrant ainsi des opportunités d'apprentissage à tous. Vous savez, il y a des subtilités que l'école ne vous apprendra jamais, même pas l'entreprise. Parce que dans les entreprises, c'est vrai qu'on peut avoir un objectif social commun, mais en général, c'est de chacun pour soi. Alors que dans le cadre de ce que nous avons appris ici, le moi a été mis de côté et on a travaillé énormément en cohésion et en empathie les uns avec les autres. Le plus important que je retiens ici, c'est ça. Et c'est pour cela que je vous parle beaucoup d'empathie, de don de soi et de communauté. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est de l'habillage. C'est bien de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien de lancer les entreprises, mais l'objectif est de lancer une entreprise pour que cette entreprise-là soit pérenne. Et pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'il y ait des codes de gestion. Il faut que vous ayez des outils pour piloter votre activité. Et je conseille vivement à ceux-là qui vont être approchés pour cette formation, de ne pas hésiter, de faire cette formation. C'est fluide, c'est compréhensible et je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact. Alors la meilleure expérience de toute la session essentielle du MBA a été la dernière session, qui est GlobeStrat. C'est une session qui sollicite tous les neurones, qui met en place toutes les capacités en instantané, parce que c'est une simulation de gestion d'une entreprise avec un président et tous les membres du comité de direction. Et il faut pouvoir prendre les décisions pour pouvoir faire vivre l'entreprise, niveau croissance, niveau économie, niveau RH,
niveau finance, niveau à tous les niveaux managériaux. Tout inattendu, donc je n'ai rien préparé, mais très rapidement, je suis merci pour l'accueil, ça a été une semaine magnifique ici à Brazzaville. Ce que j'ai pu faire cette semaine, c'est le travail de toute l'équipe de l'HEC Montréal, Agnès, tous les collègues enseignants. C'est un travail commun qu'on a tous fait ensemble. C'est ce que j'ai pu délivrer ici aujourd'hui. Merci à la FAE qui a été aussi très pertinente et dont l'accueil a été magnifique dans cette semaine-là. Et comme je le disais, Agnès l'a dit, Fatima, vous l'avez dit, c'est le résultat des efforts que vous avez fait ces derniers mois. Vous rentrez dans la grande communauté de l'HEC Montréal. Agnès a pu parler des différentes valeurs que l'on partage. Donc maintenant, vous serez aussi le porteur de ces valeurs-là. Et cette formation-là, entre autres, l'obstacle que moi j'ai donné, ça a été une expérience très intéressante, autant pour moi que pour vous. Là, vous avez maintenant les compétences nécessaires. Agnès parlait de quelques décennies. Donc, durant les prochaines décennies, vous pouvez utiliser ces compétences-là. Et toute l'expérience que vous avez pu vivre à travers cette formation-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Puis j'espère, comme on l'a dit, que c'est le début d'un partenariat qui durera pour l'Afrique, pour le Congo et pour toute une autre série de gestionnaires. Merci. Rejoignez-nous maintenant dans cette nouvelle aventure passionnante qui débutera en janvier 2024.